clap de fin sur la première partie des mondiaux de pétanque 2023. Le Bénin sort de ce premier round avec le sacre mondial dans la catégorie doublette mixte, une première dans l'histoire du Bénin grâce au duo Marcel Gbetagle et Laima Sambo qui est venu à bout de la France 13 à 8. Les Guépards Boulis auraient pu décrocher un nouveau sacre en doublette homme. Malheureusement, Marcel Gbetagle et Marcel Bior se sont inclinés devant les Français Dylan Rocher et Christophe Sario. Les différents acteurs repartent avec beaucoup d'émotion. Il faut dire que nous avons mal entamé la partie et après c'était un peu difficile par rapport à la pression des Français et en même temps la pression des arbitres ne nous arrangeait pas. Donc on a eu de pression du côté des arbitres qui nous pressaient de jouer sinon on avait des cartons, qui nous pressaient de jouer parce qu'on se divisait en deux. Mais quant aux Français, ils pouvaient se mettre des deux côtés, ils ne leur disaient rien. Ça énervait un peu mes joueurs également, parce que c'était un peu de l'injustice. Mais ce n'est pas grave, c'est le sport. Après tout, quand on perd, on peut dire c'est l'arbitre, c'est autre. Sauf que nous n'avons pas été performants comme la doublette mixte. Mais c'est le sport. C'est dommage que vous ne placez pas beaucoup, mais chapeau à votre équipe. Bravo, bravo au président de la fédération et bravo à Guy. Mes joueurs, ils ont fait une belle partie, une partie correcte, sérieuse. Ils ont respecté leur adversaire. Le public, c'est vrai que des fois, c'est un peu chaud, c'est folklorique, mais c'est tellement rare quoi, de vivre ça dans un championnat du monde avec ce public fervent, avec son équipe, ce qui est normal. Après, voilà, le sport, il faut respecter ses adversaires, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et après, ils ont super bien joué. Mais voilà, je dis chapeau à vous et chapeau au Bénin d'avoir organisé ce championnat du monde. Je suis très heureux parce que ça n'a pas été facile du tout. On est tombé vraiment contre une belle équipe du Bénin, Marcel Bio avec l'autre Marcel aussi. Ce matin, d'ailleurs, on a perdu contre eux en mixte. Voilà, je suis très heureux parce que nous, on n'est pas habitués à une ambiance comme ça. Et il a fallu vraiment être solide pour gagner. Donc, je suis très heureux avec mon coéquipier Christophe, c'est son premier titre. Moi, je connaissais que Marcel Bio, je connaissais pas l'autre Marcel. Et en mixte, eh ben, ce matin, il m'a fait voir qu'il était très fort. Marcel Bio, je pense que c'est un très fort joueur. Je pense qu'il s'est mis un petit peu la pression en finale parce qu'il voulait ramener son premier titre aussi. Mais vraiment, c'est une très belle équipe du Bénin. Le président de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provençal n'a pas manqué d'apprécier la performance de l'équipe béninoise à qui il prodigue des conseils. Ils ont été formidables. Ils sont déjà sur les podiums en or, en argent. C'est extraordinaire. Mais ça, je savais, ils avaient été bien préparés par Guy Trenoux. Ils avaient bien été entraînés. Ils avaient joué ensemble. Je savais qu'ils allaient faire fort. Mais il leur faut de l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent faire des grandes compétitions régulièrement en Europe, en Asie, et puis qu'ils continuent à s'entraîner sérieusement. Et après, l'adresse, ils l'ont. Mais l'expérience à la pétanque, c'est vraiment. On le verra surtout sur les triplettes. Ils auront plus de mal en triplette, les pays de l'Ouest, là, qu'en doublette. Mais il faut continuer, il faut travailler, il faut s'entraîner, il faut prendre de l'expérience. Chez les hommes, la doublette béninoise se contente de la médaille d'argent et le Bénin se projette déjà sur la suite du championnat. Notre objectif, c'était de prendre 3 médailles. Et de faire 3 podiums. Là, on en a pris un podium, on a médaille d'argent, nous avons encore le titre de précision et la triplette, on pense quand même que nous n'allons pas être loin du bout. Une pause de 24 s'impose après 4 jours de compétition. Le mondial reprend jeudi 14 septembre avec les triplettes et les tirs de précision.